Cette vidéo abordera les détails du passé, du présent et de l'avenir de l'application vidéo populaire TikTok. Musical.ly était une application de diffusion et de partage vidéo court 15 secondes populaire, avec plus de 100 millions d'utilisateurs, en août 2018. L'application a permis aux utilisateurs une multitude d'options de musique et de dialogue, avec lesquels ils pouvaient synchroniser leurs lèvres et faire des vidéos drôles ou divertissantes. L'application était extrêmement populaire auprès de certains créateurs de contenu qui se sont imposés au temple de la renommée en raison de son contenu engageant sur Musical.ly. Les utilisateurs ont partagé des vidéos sur les plateformes de médias sociaux comme Instagram, alimentant davantage la popularité de l'application. Cependant, en août 2018, l'application a été acquise par une société chinoise, ByteDance, et ses utilisateurs ont été transférés à TikTok. Tous les contenus et comptes présents sur Musical.ly ont été automatiquement transférés vers la nouvelle application TikTok. Qu'est-ce que le TikTok ? TikTok est une application courte de partage de vidéos qui permet aux utilisateurs de créer et de partager des vidéos de 15 secondes sur n'importe quel sujet. TikTok gère une application distincte pour le marché chinois connue sous le nom de Douyin qui compte plus de 300 millions d'utilisateurs actifs par mois. Le logo de la nouvelle application est une combinaison des logos Musical.ly et Douyin. En quoi il diffère de Musical.ly ? L'application TikTok est basée sur le même concept de vidéo courte, mais elle a une portée beaucoup plus large et contrairement à Musical.ly, elle ne se concentre pas uniquement sur la synchronisation labiale avec la musique. L'application TikTok offre aux utilisateurs une large sélection de sons et d'extraits de chansons, ainsi que la possibilité d'ajouter des effets spéciaux et des filtres. Il existe également une option pour ajouter directement des vidéos créées sur votre téléphone. En septembre, TikTok a ajouté la fonction de rétroaction qui permet aux utilisateurs d'enregistrer leurs réactions aux vidéos et de les partager. TikTok a également ajouté une fonction de bien-être numérique qui avertit les utilisateurs lorsqu'ils passent plus de 2 heures dans l'application. La nouvelle application est promue comme réseau social de partage de vidéos. Les utilisateurs de TikTok peuvent créer une variété de vidéos allant des défis, des vidéos de danse, des tours de magie et des vidéos amusantes. Le principal facteur de différenciation entre Musical.ly et TikTok est que ce dernier a une portée beaucoup plus large pour créer des vidéos. Comment il est devenu populaire? Depuis son lancement, la popularité de l'application TikTok a considérablement augmenté. En octobre 2018, c'était l'application photo et vidéo la plus téléchargée sur l'Apple Store dans le monde. L'application aurait accumulé plus de 500 millions d'utilisateurs actifs par mois. Les États-Unis étant le pays le plus populaire où elle a été téléchargée plus de 80 millions de fois. Certaines des principales raisons de l'augmentation de la popularité de l'application TikTok sont les suivantes. Support des célébrités. L'application est appréciée et utilisée par diverses célébrités comme Jimmy Fallon qui a contribué à accroître la popularité de l'application. L'application a payé des partenariats avec diverses célébrités dans diverses régions qui font la promotion de l'application auprès du public local. L'intérêt de Jimmy Fallon pour l'application a commencé naturellement, mais a ensuite été capitalisé par l'application via un partenariat rémunéré. En novembre 2018, Jimmy Fallon a commencé une section « Défi » dans son émission et a utilisé TikTok comme plateforme pour le défi. Il a exhorté ses téléspectateurs à relever le hashtag Tumbleweed Challenge et à publier des vidéos TikTok de même roulant comme une tumbleweed. Le présentateur de télévision lui-même a relevé le défi de conduire cette tendance. Le défi est devenu viral et a rassemblé plus de 8000 entrées et 10,4 millions d'engagements en une semaine. L'application TikTok a également des associations de célébrités dans d'autres régions. Lors de son lancement au Japon, l'application a attiré des célébrités comme Kinoshita Yukina, Kari Pamyu Pamyu et Watanabe Naomi. En Thaïlande, TikTok a collaboré avec la célébrité des médias sociaux Kai Kai Saledi et en Inde avec Ashika Bhatia. Les partenariats avec des célébrités ont été une tactique clé dans la stratégie d'expansion géographique de TikTok. L'application utilise des célébrités et des influenceurs pour générer des rumeurs sur la plateforme et générer du contenu viral. Ces célébrités publient non seulement du contenu sur TikTok, mais en font également la promotion sur d'autres canaux de médias sociaux. En plus des partenariats rémunérés, la marque bénéficie également d'influenceurs sociaux populaires et de célébrités qui utilisent la plateforme. Ces célébrités aident à attirer leurs abonnés vers l'application TikTok.
Contenu localisé, un autre facteur clé de la popularité de l'application TikTok est le fait que, bien qu'elle soit une application mondiale, elle se concentre fortement sur le contenu localisé. L'application organise souvent des concours et des défis locaux et capture les tendances locales en utilisant des hashtags localisés. TikTok organise le concours 1 million d'auditions dans plusieurs pays séparément. Pour chaque concours, les participants reçoivent des thèmes pour créer des vidéos. Puis les meilleurs créateurs vidéo sont récompensés. Ce concours conduit non seulement à la création de milliers de vidéos locales pour chaque pays où il est organisé, mais aide également les créateurs de TikTok à gagner en reconnaissance et en followers. L'un de ces concours organisés en Russie en septembre 2018 a recueilli 31 000 entrées vidéo et des millions de visites d'utilisateurs de TikTok. Ainsi, il a contribué à promouvoir l'application dans le pays. L'application utilise également des hashtags des tendances locales pour suggérer des sujets de création de contenu à ses utilisateurs. Cela permet à l'application de tirer parti des tendances locales et de générer du contenu viral pour la plateforme. Par exemple, si WeDance était un type de vidéo amusant qui est devenu viral en Chine, des dizaines de milliers d'utilisateurs de TikTok ont créé une vidéo sur ce sujet. TikTok envoie également des recommandations personnalisées à chacun de ses utilisateurs. Cela garantit que les utilisateurs de TikTok sont toujours à jour sur les dernières vidéos tendances et ne manquent jamais d'idées de création vidéo. Grâce à ces techniques, TikTok a pu localiser à l'échelle mondiale création, partage et visualisation de contenu facile. L'application TikTok a simplifié la création et le partage de vidéos et l'a fait passer au niveau supérieur. Tout ce que les utilisateurs ont à faire est d'enregistrer tout et n'importe quoi à partir de leur routine quotidienne et de le publier instantanément. En raison du format court, ni la création vidéo ni le processus de visualisation ne nécessitent beaucoup de temps ou d'efforts. En outre, ce contenu vidéo abrégé est lu dès qu'un utilisateur ouvre l'application. La vidéo commence à jouer une par une et le spectateur est perdu dans une mer de contenu vidéo amusant, divertissant et addictif. En raison de cette nature addictive du type de contenu, il est très facile pour les gens de continuer à regarder des vidéos au hasard pendant des heures. Comment les marques peuvent-elles profiter du TikTok ? TikTok n'a pas d'espace pour les publicités graphiques traditionnelles et ne rivalise même pas avec les autres plateformes de médias sociaux car c'est un canal de marketing. Cependant, en raison de sa croissance rapide et de sa popularité croissante, de nombreuses marques réalisent le potentiel de TikTok en tant que canal de commercialisation. Différentes marques ont utilisé des techniques telles que les défis et les concours TikTok pour que les utilisateurs génèrent du contenu lié à la marque. Les marques profitent également des hashtags, de manière plus ou moins similaire à celle des autres plateformes de réseaux sociaux pour promouvoir leur campagne marketing TikTok. Prenons par exemple la campagne hashtag InMyDenim de la marque Guess. Le 1er septembre 2018, la marque Guess a repris TikTok et a invité tous les utilisateurs américains de TikTok USA pour votre défi de hashtag InMyDenim. Le concours a exhorté les utilisateurs à créer du contenu vidéo en utilisant du denim, bien sûr, et en utilisant le hashtag. Ce fut le début des associations de marques TikTok aux États-Unis. L'avenir de TikTok. La popularité actuelle de l'application TikTok est surprenante, mais elle ne garantit toujours pas qu'elle atteindra les niveaux atteints par d'autres réseaux sociaux tels qu'Instagram et YouTube. Vine était une plateforme de partage de vidéos extrêmement populaire dans le passé, mais est maintenant complètement hors de l'image. Et il existe de nombreuses autres applications qui sont rapidement devenues célèbres, puis ont disparu. Pour maintenir sa popularité actuelle, TikTok devra continuer à innover et à trouver de nouvelles façons d'engager sa base d'utilisateurs. Ils devront également rendre la plateforme plus conviviale pour les marques afin de faire de l'application un réseau social à maintenir. Avec plus de marques qui se tournent vers TikTok pour étendre leur portée marketing sur les réseaux sociaux, TikTok est sur la bonne voie. Si vous pouvez capitaliser sur les engagements de la marque, vous vous développerez sûrement plus et serez même en mesure de rivaliser avec d'autres plateformes de médias sociaux.